Cette note d'invitation que je voudrais, au nom du gouvernement, déclarer officiellement ouvert la 77e réunion plénière du comité consultatif international du coton. Le comité d'organisation se tient à votre disposition pour vous offrir un agréable séjour, aussi bien à Abidjan que dans les autres villes qui accueilleront les visites techniques, notamment pour vous. Donc tout en souhaitant un excellent séjour à toutes et à tous, nous formulons le vœu que les réflexions apportent une contribution positive au développement durable de la filière coton en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Je vous remercie de l'opportunité qui m'est offerte de m'adresser à vous lors de cette 77e réunion plénière de ICAC. That this year's plenary meeting is in Côte d'Ivoire. Because Côte d'Ivoire and Africa represent the future potential for cotton. A fast-changing world. I suggested then that it was time to review the structure of ICAC, the way it is governed and funded, the functions it performs, and the services it provides. Today, as you will hear from the report from the chair ad interim, this is exactly what we have done. And I believe that the strategic plan that has been produced will not only make us fit for purpose for the future, but will also produce a more dynamic, innovative, and efficient ICAC. The ICAC serves a unique and important role within the world of cotton and textiles. And it is only right that its role should evolve and grow in response to current challenges to create a bigger, more effective ICAC that not only adds value, first to its members, but also to the whole of the cotton and textile value chain. En termes de valeur, après le travail de notre crédit de café, il ne veut pas. Il occupe près de 100 000 producteurs. En ce qui concerne les tissus industriels, la Côte d'Ivoire compte ce jour 15 unités de grainage d'une capacité de 615 000 tonnes de coton graines, soit 255 000 tonnes de fibres. En ce qui concerne la deuxième transformation, le marché local de la graine a amorcé une reprise depuis 2014. Les unités installées à Boaké et à Corongo, une capacité de figuration de 300 000 tonnes de graines de coton peuvent permettre d'absorber largement la production de graines de coton en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne la commissaire de la fibre, pour la campagne 2017-2018, 152 000 tonnes de fibres ont été exportées vers le Vietnam, l'Indonésie et le Bangladesh. 74 cents per pound based on the overall projected decline in global cotton stocks. Le soutien de l'Union européenne sera renouvelé et cherchera à se baser à travers des programmes d'accompagnement de différentes réformes sur deux axes complémentaires qui sont, comme on l'a dit, le soutien aux réformes nationales, le soutien aux stratégies nationales, en suivant le principe, ou en tout cas une logique de subsidiarité qui veut que l'échelon le plus pertinent est celui qui est le plus proche des problèmes.
ces politiques et ces stratégies, pour ce qui nous concerne, doivent adresser pertinemment la question de la répartition des rôles entre l'État, le secteur privé et le secteur public, ainsi que le financement des différentes fonctions de production, de transformation et de commercialisation. Last year, in 2017, Taiwan imported 160,000 tons of raw cotton at a value of $260 million, which is a 9% increase over the previous year. The textile industry in Taiwan is the fourth largest foreign exchange earner. In 2017, the Taiwan textile industry's total production reached $12 billion, and our export amounted to $10 billion. Fabrics were the main export item, accounting for 68% of our total textile export. Les débats ont porté sur des thématiques qui nous préoccupent profondément, telles que comment augmenter les rendements en Afrique, comment lutter contre les ravageurs du cotonnier, comment produire la semence et mutualiser donc la production de semences dans le monde, comment gérer la traçabilité du coton dans le monde et l'utilisation des biotechnologies et des technologies tout court, des nouvelles technologies telles que les drones donc dans la culture du coton. Et tous ces thèmes ont été passés en revue. Le travail que nous faisons, c'est de chercher à améliorer la productivité du coton. Comment permettre aux paysans de cultiver son coton et d'avoir des bons rendements. Et à la fois, en même temps aussi, réduire les coûts de production. C'est-à-dire que, par exemple, les intrants comme les insecticides, si aujourd'hui on parle d'utiliser les extraits végétaux, le paysan n'aura pas besoin à acheter des produits chimiques. Donc le paysan pourra lui-même confectionner ses extraits végétaux et puis faire les traitements. I was presenting the research that we've been taking to answer the problem of climate change. Our research is mainly focused to understand stress, abiotic stress on cotton yield and development. We've been focused in water stress, like drought, also in water logging, which is excessive water, in heat temperature, and in radiation solar availability, low availability. And after we understand that and we quantify the effect on the production, we can propose new agronomical techniques to overtake that problem. Voilà, tout au long de mon intervention, j'ai essayé de montrer combien le drone pouvait être utile à nos agriculteurs, depuis l'étude du terrain jusqu'à la récolte de leur culture, et pour ensuite ouvrir des perspectives, des idées selon lesquelles on pourrait faire collaborer l'ensemble des petits agriculteurs, les pousser à travailler ensemble pour leur permettre non seulement d'être plus efficaces, mais avoir au final un impact considérable pour l'économie nationale, disons ça comme ça. The message from this meeting that goes out is that there is real potential in Africa to grow more cotton and to develop integrated cotton supply chains. So not just only produce cotton, but actually spin cotton, make your textiles, have a fashion industry, do all of this in Africa. At the moment, 70% of all cotton that's grown in West Africa is exported. So there is a huge potential to grow more industry and employ more people, especially young people, by having these industries allied to cotton production. Bienvenue à tout le monde. Welcome to everybody. Il faut la
respecter des normes alimentaires. Here we are on this very small plantation of cocoa, just to show you, the experimentation. Well, it's actually a very interesting visit, because normally when you think of cotton, you think of cotton that makes clothes. And what is so interesting about this is the byproducts of cotton. So it's producing food for cattle and chicken. It's producing oil that you can use in your cooking. And it's all being produced here. And this is another tremendous resource for farmers. So very interesting, great to see that this is happening in Côte d'Ivoire. Trip, I will never forget seeing Côte d'Ivoire and meeting some of the people on this tour. Those are memories that will never go away. The cotton industry is fascinating here. It's very impressive, but the people are unforgettable. And that's the one thing that long after I forget the ginning percentage, I'll remember that the people of Côte d'Ivoire and how wonderful the welcome we get. Ivory Coast is beautiful. Costa de Marfil is hermosa. Well, we'd love you all to come and join us in Brisbane, Australia. Our theme for next year is global leadership, pushing cotton's boundaries.